Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo haul, j'ai énormément de choses à vous montrer. Le problème avec moi, c'est que je suis du genre à acheter plein de petites choses par-ci par-là, à faire des petites commandes par-ci par-là. Sauf qu'à la fin, à un moment donné, je me retrouve avec pas mal de choses à vous montrer. J'ai juste fringues, accessoires, donc bijoux, j'ai quelques bijoux à vous montrer et chaussures. J'ai quelques chaussures à vous montrer aussi. C'est tout, il n'y aura pas de beauté, de déco, de à manger, il n'y aura rien de ça. Il faut savoir que tout ce que je vais vous montrer là, il y a des fringues de Zafoul que je vous avais pas montré. Et après, tout le reste, c'est des vêtements que j'ai achetés avec mon argent. Il faut savoir que je bosse depuis le début de l'année, depuis que j'ai 17 ans. Du coup, je bossais en parallèle de fin de mes études de l'année et là, je suis en train de bosser cet été. Il faut savoir qu'il y a un gros trou dans mon budget puisque j'ai acheté l'iPhone 7, j'ai changé, ça faisait 2 ans que j'avais l'iPhone 5S et j'ai voulu vite changer. Je voulais pas que ce soit mes parents qui assument cet achat-là puisque c'est une envie à moi. Donc, niveau bijoux, on va tout de suite commencer par ça. J'ai testé les bijoux de chez Zafoul. Puisque c'est des bijoux qui coûtent peu cher et que je voulais voir si ça avait la même qualité que des magasins comme Bershka, Zara ou quoi qui coûtent beaucoup plus cher. J'ai tout d'abord ce petit collier à différents rangs en couleur or. J'aime beaucoup ce genre de collier, en été ça habille complètement une tenue. Pour l'instant c'est en très bonne qualité, je l'ai porté plusieurs fois. Il n'y a rien de cassé mais c'est des bijoux très simples. Donc voilà, moi pour des bijoux comme ça, ça me dérange pas du tout de les commander sur des sites chinois parce que concrètement, la qualité n'est pas meilleure ici ou ailleurs. J'ai commandé ces pompons là, rouges. Vu que j'ai les cheveux courts, je trouve que quand t'as les cheveux courts, avoir des grosses boucles d'oreilles, ça te met beaucoup plus en valeur que quand j'avais les cheveux longs, on les voyait jamais mes boucles d'oreilles, donc ça me saoulait. Donc là, j'ai commandé des pompons rouges. Par contre, petit point faible, j'ai pas reçu les petits bouts qui vont avec, ou alors peut-être que je les ai perdus dans le petit sachet qui les accompagnait, parce que en revanche, pour les autres boucles d'oreilles, j'ai eu les petites protections. Alors peut-être que c'est moi, peut-être que c'est eux qui ont oublié, j'en sais rien. Et j'ai ensuite commandé celles-ci. Alors celles-ci, je les voyais un peu partout, et c'est vrai qu'elles sont quand même super belles. Des petites boucles d'oreilles, mais elles se voient, elles sont là, elles sont présentes. Mais vous pourrez retrouver tous les liens en barre d'infos si j'arrive à retrouver le lien sur le site internet. Sinon, c'est en magasin. Alors, j'ai été H&M, vous savez que je suis pas une folle dingue d'H&M. J'aime pas particulièrement leur collection et leur style. Donc, quand je vais H&M, c'est rare que j'y trouve quelque chose. En revanche, j'y suis allée l'autre jour, j'y suis passée vite fait. J'ai acheté des basiques parce qu'ils sont pas chers chez eux et ils sont plutôt de... Enfin, ça va, ils sont plutôt de bonne qualité. J'ai d'abord pris ce short-ci. Par contre, je l'ai pris un peu trop grand. Grand taille S, il est gris comme ça, il est hyper confortable. J'ai ensuite pris un t-shirt blanc comme ça avec une petite poche qui est assez transparent. Et j'avais pas de t-shirt blanc. Je l'ai pris en M pour qu'il soit un peu ample et pour qu'il soit un peu loose parce que j'aime beaucoup. J'étais à Zara il y a pas longtemps en magasin. Je cherchais une robe blanche mais un peu en forme t-shirt qui soit un peu ample. Je cherchais pas du tout quelque chose qui me moule ou quoi que ce soit. Vraiment une robe blanche quand tu sors l'été en vacances ou quoi que ce soit. Et j'étais à Zara. Je trouvais rien. Quand tout à coup je tombais là-dessus, je me suis dit parfait, ma bonne étoile m'a écoutée. Donc c'est une robe blanche comme je vous l'ai annoncé, elle arrive au niveau du genou, elle n'est pas courte et ça j'adore. Vraiment c'est des grosses manches, c'est tout ce que j'aime. Pour continuer avec Zara, j'avais été à Paris avec ma classe au mois de février, je ne vous avais pas montré depuis. J'avais acheté ce pantalon, j'avais pris je sais plus XS comme taille et c'était un pantalon que j'avais eu en promo. C'est un pantalon qui est resserré à la taille par un nœud. Il est en motif un peu quadrillé avec du noir, du rouge et du blanc. J'aime beaucoup ce motif. Bon, ça fait un peu pantalon de cuisinier, on est d'accord. Voilà, et ensuite pour terminer avec Zara, c'est ce pantalon qui date de ce matin. C'est un jean tout simple. Parce que j'ai pas beaucoup de jeans en vérité. J'ai beaucoup de pantalons de ce genre là, mais pas beaucoup de jeans. C'est la fin du pantalon qui est avec des perles, avec une fente et un peu coupé. Il est plus large du coup à la fin et j'adore. Vraiment, je kiffe, j'adore ce genre de pièces. Bon, un peu grand à la taille, mais une ceinture fera l'affaire. Je l'ai eu à 12,99€ au lieu de 29,99€. Et c'est pas magnifique ça. Ensuite, j'ai été chez Undies durant les soldes. J'adore Undies, vraiment, c'est un magasin que j'adore, que j'apprécie énormément ce qu'ils font. Mais c'est vrai que durant les soldes, ça a toujours été un peu fouillis. Et du coup, c'est rare que j'aille en magasin. Mais bon, là, vu que je passais devant, voilà.
En fait, c'était tout sur un truc et c'était démerde-toi en gros. Et ça, moi, je n'aime pas trop trop. J'ai trouvé ce petit haut là que j'avais dans ma vidéo favori, enfin top ou flop. Vous le voyez pas parce que j'ai une chemise par-dessus, mais voilà comme il est. Donc c'est un body, body très bon point avec des pressions. Comme ça, tu n'as pas à tout enlever quand t'as envie de faire pipi. Avec un col carré comme ça, et j'avais pas de haut à col carré, et je trouve ça vraiment super beau, et avec des petites bretelles réglables super fines. Donc j'aime beaucoup ce genre de haut très léger comme ça. Et ça, je l'ai eu moins 50%, donc je l'ai eu à 7€ le de 14€, quelque chose comme ça. Pour continuer, j'ai testé le site Pretty Little Thing. C'est un site que je voyais un peu partout, donc vous savez, c'est le site où il y a tout le temps des promos dessus, vous avez toujours un code promo. C'est un peu, vous trouvez énormément de choses dessus, c'est un peu comme Boohoo, etc. J'avais un événement, donc c'était un bal un peu style bal américain et tout, et il me fallait quand même une tenue adaptée parce que j'avais rien qui allait. Donc j'ai pris 3 pièces, donc j'ai d'abord pris cette robe. Quand je l'ai reçue, je me suis dit, je vais jamais rentrer dedans. C'est une robe rose poudrée avec des petites épaulettes comme ça, un petit col. Elle est légèrement courte par contre, ça c'est le souci que je lui ai reproché. À part ça, elle est vraiment très très jolie. Après, elle est transparente à mort. Du coup, vu qu'elle est moulante et la matière fait qu'elle marque énormément vos sous-vêtements. Donc si t'as des sous-vêtements avec des coutures ou quoi que ce soit, ça se verra direct. Ensuite, j'ai commandé des petites boucles d'oreilles avec. Donc ça a été la mode des boucles d'oreilles pompons à ce moment-là. Avec des grosses pièces en couleur or au-dessus. J'ai adoré complètement. Au début, je sais pas trop les mettre. Puis finalement, je les mets encore aujourd'hui et je suis complètement fan. Et ensuite, je me suis commandé une paire de chaussures sur ce site-là puisqu'il me fallait des talons. Et généralement, ce genre de talons est assez cher et j'avais pas envie de mettre trop cher... Parce que je savais pas si j'allais reporter. C'est les talons noirs les plus basiques, hein, avec un talon un peu carré. Elles sont aussi d'ailleurs en velours, donc j'aime beaucoup. Tout le reste vient de chez Bershka en ce qui concerne les vêtements. Je suis une folle dingue de Bershka, comment vous expliquer que j'aime tout chez Bershka? Donc concrètement, à chaque fois que je passais une commande, c'était chez Bershka. J'ai ce pantalon-ci que vous avez déjà dû voir, un pantalon rayé comme ça avec une petite ceinture qui est taille haute. Et il est vraiment magnifique, j'adore cet imprimé. J'aime beaucoup la coupe, il est très fin, il est très slim. Et je l'ai beaucoup mis. Ce pantalon là, qui est un pantalon môme, j'en voulais un, c'était obligé. Donc c'est un pantalon un peu large qui ne vous sert pas non plus. Enfin, il est slim au niveau des cuisses, puis après il devient assez droit au niveau des chevilles, enfin tout le reste de la jambe. Les pantalons Bershka, c'est ceux qui me vont le plus, avec ceux de Zara aussi. Donc c'est pour ça que je me devais d'acheter un pantalon môme chez Bershka, pas trop cher. Et il est de très bonne qualité, j'aime beaucoup et je le mets beaucoup aussi. Je me suis acheté ce short-ci. Par contre, j'ai pas été trop fan de leur short, hein, pour tout vous avouer. J'ai pris ce short-là, c'est pas si cher que ça, un peu retroussé comme ça. Et du coup, je l'ai assez taille haute, du coup, vu qu'il est un peu trop grand, je le mets très taille haute avec une ceinture. Et il est pas court, du coup, on voit pas vos fesses, ça c'est cool. J'ai deux petits hauts à vous présenter. J'ai tout d'abord ce aussi que vous avez déjà vu et je suis fan de ce haut. D'ailleurs, je l'ai acheté plein pot, donc je l'ai acheté 7€ et quelques, je crois, ou je sais plus, 10€. Et quand j'y suis allée il y a pas très longtemps, il était en solde, donc j'avais un peu le seum. Il est pas si court que ça, on pourrait croire comme ça, mais c'est pas un crop top. Un autre body de chez Bershka. D'ailleurs, avec lui que j'ai chopé ma marque de bronzage, si vous voulez savoir au cas où, voilà, avec des bonnes bretelles assez épaisses, un beau col rond. J'ai tout raté là, franchement. Et il a un petit dos nu, un léger petit dos nu. Par contre, Bershka, vous avez pas de pression au niveau d'en bas, donc c'est pas pratique qu'on a envie d'aller faire pipi. Ensuite, je m'étais acheté cette petite jupe jaune. J'ai peu de jupes, franchement, je suis pas trop jupe, mais dès qu'il y en a une que j'aime bien, go hein. Elle est bien, elle fait un peu portefeuille, enfin, je sais pas si vous voyez. Après, le souci, c'est qu'elle se froisse très rapidement. J'avais commandé ces deux articles-là, donc vous avez ce haut-là, donc qui est un haut à col roulé blanc, manche courte. Je l'ai saigné ce haut, il est hyper pratique, hyper classique. Il passe vraiment avec tout et j'ai adoré le porter parce qu'en même temps je pouvais le mettre avec des petites vestes. Je craque dessus. Elle est une grosse pâle avec un motif un peu quadrillé. Vous avez une ceinture que vous accrochez à ces cercles là. Elle est vraiment hyper jolie, hyper... elle est bien taillée, elle est hyper classe, mais pas trop en même temps. J'aime beaucoup la porter un peu décontractée et je suis super contente de cet achat là.
Il y a pas très longtemps, j'ai acheté cette veste là qui vient de chez Bershka toujours, qui était en promo, elle était à 12 € de 20 et quelques, quelque chose comme ça. C'est un petit gilet, une petite veste que franchement, j'aime pas acheter des vestes ou des gilets comme ça parce que je les mets jamais, mais au final, j'aime beaucoup les couleurs, elle est hyper légère donc je pense que je vais beaucoup beaucoup la porter. Il y a pas de poche, ça j'aime pas trop. J'avais pris donc avec cette veste ce haut là noir. Il est cool parce que des hauts noirs comme ça on n'en a jamais assez. Il est un peu côtelé donc du coup il passe vraiment vraiment avec tout. Et pour finir au niveau des habits, donc je vais vous montrer quelques pièces que j'ai reçues de chez Zafoul encore une fois. C'est des très jolies pièces et je voulais vraiment vraiment vous les montrer. Jupe short que vous avez été beaucoup à me demander d'où elle venait puisque je l'avais mis dans ma story. Alors en plus au début ça comptait être un flop mais finalement faut savoir se réapproprier les vêtements qu'on reçoit, qu'on n'aime pas forcément. Toujours avec un motif Vichy. J'apprécie vraiment les jupes short parce que j'adore les formes des jupes, j'aime beaucoup. Mais c'est que c'est pas pratique, c'est short. Et donc devant ça fait une impression jupe. Vous avez du coup un petit nœud juste ici. Enfin un petit nœud. Du tissu qui rentre dans un peu comme si c'était une ceinture. Et en fait plus vous tirez plus vous réglez au niveau de la taille. Et vu qu'au niveau de la taille c'était hyper hyper large. Pourtant j'avais pris la plus petite taille. Donc faut se méfier au niveau des tailles chez Zafoul. Moi je sais qu'au niveau des bas ça ne m'ira jamais. Puisque déjà je galère déjà en magasin à trouver des bas qui me correspondent au niveau des jambes et de la taille. Du coup ensuite en parlant de short, j'avais pris un short basique comme ça. Mais toujours pareil, j'avais pris en S mes tailles beaucoup beaucoup trop grandes. Du coup je suis à fond au niveau de ma ceinture. Il taille pas court au niveau des fesses. Donc voilà pour ce petit short là. Pareil si vous taillez un peu plus grand, surtout au niveau de la taille, c'est pas forcément au niveau des jambes, mais au niveau de la taille, foncez. Et la qualité est hyper bonne. Ensuite, j'ai opté pour ce petit haut-ci. Donc un haut tube, j'avais jamais testé de haut tube qui coûte deux fois rien, que ce soit même en magasin. Et ça c'est bien parce que tu peux bronzer avec, mais comme tu veux. Hein. C'est ce petit haut-là. Je m'attendais pas trop à ça en voyant la photo sur le site. Mais bon, c'est un petit haut blanc comme ça avec un petit col V. Des petites manches avec des petites vagues. Donc je verrai comment je le porte et je vous montrerai tout ça de toute façon. Et pour finir, j'ai commandé un maillot de bain chez Zafoul parce que ça faisait un moment. Enfin, ça faisait un moment que j'avais pas commandé de maillot de bain d'ailleurs. Voilà. Et le haut a l'air immense par contre. Au milieu, donc vous pouvez régler en fonction de vous, que vous voulez. Et puis jaune comme ça quand t'es bronzé, c'est super beau quoi. Encore un très bon compte rendu que je peux vous faire. Très bonne qualité, bon j'ai eu un petit souci de livraison parce que mon code postal était pas bon, du coup ça a dû revenir. Ça a dû mettre quelques jours de plus, voire une semaine même. Et ensuite pour finir avec les chaussures, j'ai trois paires de chaussures à vous montrer. J'ai cette paire de tropéziennes là que je me suis achetée quand je suis partie à l'île de Ré. Donc j'ai craqué sur une petite paire de tropéziennes comme ça, qui sont camel avec des franges, des petits détails argentés au niveau des brides comme ça. Rien qui maintient les doigts de pied, je déteste avoir des chaussures qui me maintiennent les doigts de pied, je supporte pas ça. Enfin, ma maman a dû les payer dans les 60 €, je crois, quelque chose comme ça. Ensuite pour finir, j'ai deux paires de chaussures à vous montrer qui proviennent de chez Pinky. Pinky, autant les vêtements je suis de plus en plus déçue, autant les chaussures je suis toujours autant fan. Pour vous expliquer la petite histoire, un jour je vais chez Pinky et je vois ces chaussures là. Je me suis dit, ouais, elles sont trop belles et tout. Je vois que du 37, du 36, du 39, enfin pas ma taille quoi, pas du 38. Dégoûtée, j'ai eu le 39 trop grand. Je suis retournée, elles étaient toujours pas. Il n'y avait plus le 38 et quasiment plus cette couleur disponible. Je me suis dit bah tant pis, j'aurai jamais cette paire de chaussures. Du coup je me suis rabattue sur ces chaussures là à ce moment là, sur des sandales, des tatanes. C'est grave la mode en ce moment. Toujours en plateforme, un peu voilà, tressée etc. La même couleur, je les adore, moi elles sont un peu sales parce que ma soeur les a utilisées quand elle est venue, merci Chanel. Elles sont hyper classe quoi, ça fait pas tatane quelques chaussettes quoi, elles sont hyper hyper jolies. Il suffit que j'aille à Clermont une journée pour que j'aille au Pinky du jour de 1 et pour que je les aperçois d'en haut. En plus j'étais au deuxième étage, mais vous savez même pas comment je me suis ruée dessus quoi. Je regarde du 38, je regarde le prix, elles étaient soldées à 10 € au lieu de 30.
Non mais j'adore ce genre de surprise, vraiment j'étais hyper heureuse à l'intérieur de moi pour une paire de chaussures les gars. Donc voilà pour mon haul, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Il y a aussi d'autres petites choses que j'avais achetées comme une robe noire, enfin des choses comme ça. Mais ça me paraissait pas hyper hyper important. Il y a des pièces que je vous ai déjà montrées dans d'autres vidéos. Voilà, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.